faire un petit portrait. Et oui, oui, un petit portrait. Je peux aussi me diviser en deux, aussi mon image. Ce que ça va me faire, ça va me donner la proportion du milieu. Donc, en le mouvant, je vais me retrouver à avoir le milieu ici qui va m'aider à me repérer. Donc, si de là à là je trouve mon milieu, je vérifie ma longueur. Remarquez que j'ai quand même une distance, donc présentement je regarde au loin. Je vais chercher un petit quelque chose ici. Bonjour Michel, bonjour, bonjour, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Allô, allô? Voyons, qu'est-ce que je clique? Attends un petit peu, je ne sais pas. Annuler. Bonjour. C'est quoi ça ici? Voilà. Ok. Alors. Bonjour, bonjour. Alors, un petit portrait. Comme là, ce que j'ai fait, j'ai divisé. Et là, je vais me chercher une courbe ici. Naturelle, comme ça ici. Je m'en vais dans l'autre sens. Je m'en vais dans le sens inverse ici. Sauf que là, ça on va le voir plus tard si je l'ai bien fait ou pas. Je vais avoir besoin du recul pour bien choisir mes lignes. Voyez-vous, j'ai plusieurs lignes ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais choisir la bonne bientôt. Quand je serai rendu là. Un bon dessin, lorsqu'on fait un portrait, c'est très important. Donc, je vais m'attarder sur le dessin avant de faire la peinture. Je vais faire la peinture présentement ici, live devant vous. En réalité, là, je devrais avoir plus de lèvres ici. Donc là, j'utilise mon cadre ici et mon milieu que j'ai fait ici pour m'aligner un petit peu pour bien débuter. Je peux me prendre ici, je vais m'installer parallèle. Donc là, il faut que je sois parallèle ici.
passe comme ça. Je me remets au centre. Et je me tasse comme ça. Ça me donne ma diagonale. Je vais chercher mon autre diagonale. Ça va remettre en droit. Parallèle. Ça me donnera environ ça ici. Je vais aller revérifier. Ça me donne pas mal ça. Bon, voilà pourquoi je peux monter plus haut ici. Étant donné que ma diagonale ici comme ça, ici, ben, il devrait se toucher les deux. Puis ça me permet même d'aller plus bas et de remonter ici. Sans monter trop haut. Puis ça me permet d'aller plus haut ici. Même chose ici. Puisque mon plus bas va être plus rendu là. Puis ici, étant donné que mon milieu est ici. Je peux même aller un peu plus rond. Là-dedans. Pour retourner. Et voilà. On vient placer le nez. J'aime beaucoup faire plusieurs lignes, puis comparer les lignes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de portrait. La 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 la.
distance qui est là va être proche de la même qui est ici. J'essaie d'avoir la même largeur de pupille. J'ai fait un petit peu plus gros ici. Juste pupille, je voulais dire iris en fait. La même largeur d'iris, j'ai fait très gros ici. Je pourrais un petit peu en enlever. Ce que j'utilise, c'est du crayon à mine, simplement, pour l'instant. Je pense que c'est plus haut un petit peu. OK. On va travailler ça. Là, c'est le moment de reculer en arrière. Regarde au loin. De voir que les lèvres en bas sont un petit peu trop larges. Les lèvres en bas, je peux ratisser ma ligne. La monter plus haut. Pour vous montrer de vue un petit peu. OK. Donc là, ici, je remarque que là, je corrige mes lignes. Je vais chercher les bonnes courbes. Donc là, ici, plus fermé. Qui est forte un peu. Et voilà. Donc, si j'étais proche, après ça, rendu ici, là, je vais rentrer à l'intérieur. Comme ça. Là, mon crème, il est dû pour être aiguisé. Ici, puis mes espaces ici, avant de mettre la peinture. Je suis un petit peu trop large. Pas grand chose. Je pense que j'ai choisi ma ligne à l'intérieur. Le plus près possible de l'intérieur. Donc là, la distance que j'ai comme ça. L'angle, ça va être bon. On va me chercher ici. Ça, c'est bon. Vis-à-vis ici. Je retrouve simplement ici.
fait. Fait que là, je vais être prêt tout de suite à aller commencer à peindre. Je vais aller placer les masses au bon endroit. Donc, avec ma palette et ma spatule, je prépare mon acrylique. Et oui! Alors, du blanc. Bien sûr, le blanc. Il est où le blanc? Bonne question. Il est là. Du blanc liquide, ça va tout le temps très bien. Bon. Rouge, orange, un petit peu de rouge oxyde. Mais je pense qu'on va la mettre aux poubelles, elle était mal fermée. Oui. Rouge oxyde. Un peu de brun. Un petit peu de rose magenta, en fait du magenta. Cette belle petite couleur-là, ça va donner des belles teintes, plus froides un peu. Ça va être mon froid pour dans ma peau. Est-ce que je monte d'autres couleurs? Pour l'instant, ça va être ça. Puis j'ai du bleu aussi, parce que je veux aller couper mes couleurs et les rendre plus vertes. Plus vertes. Puis tant qu'à ça, on est rendu presque tout, on va mettre du violet. OK. J'ai-tu un bol d'eau? Oui, j'ai un bol avec de l'eau. Là, je vais prendre un gros pinceau large, puis on va venir m'amuser à mettre juste des tons à certains endroits. Donc là, je mélange mon orange et ma couleur peau. Un petit peu de brun pour bloquer l'orange qui est très très puissant. J'ajuste, je viens chercher cette teinte-là environ. Et là, il faut comparer. Ici versus là, ici, elle est plus rosace et elle est moins puissante. Fait que je vais la blanchir un peu. Puis le bleu, vu qu'il y a trop d'orange dedans, le bleu que dans le noir, on va la ternir un peu. Je vais juste venir filmer ma teinte. Là, présentement, si je compare, je suis pas loin, mais je suis trop foncé. Donc là, je vais éclaircir encore avec un petit peu de blanc qui va la fadir. Donc, je suis un petit peu d'orange. Et oui, mais bon. Bon, bref, c'est pas exactement ce que je veux plus d'orange. J'en mets. Donc, on va aller comme ça. Fait que là, présentement, je vais simplement mettre des tons foncé où est-ce que j'en ai besoin. Simplement. Voilà. Je vais mouiller un petit peu mon pinceau. Je vais mettre un petit peu plus rosasterie dans le haut. J'aime ça parfois plus coloré un peu. Ça fait un côté d'usage un peu plus froid. Là, ça paraît pas, mais tantôt, lorsque l'autre va être plus chaud, on va voir la différence. Je n'irai pas trop proche de l'œil parce que c'est nettement plus foncé. Donc en étant plus foncé, je vais attendre un peu. Mais je peux aller vers la droite de l'œil où est-ce que c'est plus clair. Là, je vais mettre un peu plus de foncé en mettant un peu de noir, un peu de brun dans un coin. Je vais rapetisser juste mon pinceau parce que j'en ai un plus. Il y a moins d'espace. Hein? Là, on va mettre un petit peu de nez. C'est assez foncé, mais on reviendra mettre d'autres couleurs plus tard si ça fait trop terne. Mais je pense quand même que c'est ça qu'il faut.
même un pinceau plus mince tout de suite. Plus mince, mais en synthétique. Synthétique étant donné qu'il va être beaucoup plus malléable. Le poil, il va être fin. Il va être doux. Je vais pouvoir faire une petite ligne fine plus simplement. Parce que là, je suis dans les yeux. Donc, je pourrais tout de suite venir placer un petit peu les tons qui sont assez foncés. Ils sont ici. Là, j'ai passé le liquide dans ma couleur. C'est comme juste ma petite couche là, de départ que je place là, un petit peu partout. Donc là, présentement. Plus foncé un petit peu en dessous. Lorsque je vois plus foncé, il faut faire attention de ne pas tout le temps juste utiliser le noir. On peut utiliser le noir, c'est correct. Parce que là, j'étais un peu trop foncé. Je vais quand même l'installer, mais je vais venir la changer ma couleur. C'est vrai que c'est tout taché. Là, je fais un petit peu du frottis à sec, là. Mais je ne voulais pas que ça soit autant que ça, bien sûr. Bon, toutes les couleurs chaudes présentement, là, c'est des couleurs que j'ai dans ma palette. C'est avec lesquelles que je travaille. Mon visage, c'est beaucoup de couleurs chaudes, là. On va laisser sécher un petit peu. On viendra en frottis ici pour travailler ça. Je vais vider mon pinceau. Pourquoi pas en profiter pour faire un petit peu de dégradé ici. Entre les deux, frottis à sec, améliorer un petit peu mon dégradé, un petit peu plus de blanc. Faut attention, le blanc, c'est pas tout le temps que le blanc. Hein. L'erreur, c'est de ne pas ramener le jaune, pas ramener une autre couleur non plus, d'aller juste blanc. Donc parfois un petit peu plus de jaune dedans, ça donne exactement ce qu'on veut. Là, je vais aller entre ma lumière et le blanc. Je vais aller faire un petit blanc jaune. J'aimerais ça idéalement. Je vais attendre que mon pinceau soit peut-être plus sec. Là, je prends un chiffon. Puis là, je viens. Je vais un petit peu ici. Je vais éclaircir. Ouais, je vais me déplacer la bouche pour faire l'autre œil aussi là, avant de trop travailler le reste. Présentement, je ne suis pas fixe dans ma technique de travail. Pourquoi? C'est sûr qu'avec les élèves, parfois, je suis plus. J'ai un ordre des choses à faire qui va les aider.
C'est sûr que quand tu es un peu plus libre comme moi en peinture, étant donné que j'ai quand même du bagage et de la technique, on peut se permettre un peu de ne pas nécessairement faire toutes les étapes recommandées. C'est-à-dire, quelle étape? Ben, parfois, c'est de placer toutes les fonds en premier, toutes les clairs. Ou, comme là, j'ai seulement fait ça, seulement fait ces couleurs-là. En réalité, j'aurais dû aussi aller de ce côté-ci. Mais bref, des fois, on se laisse aller comme ça, puis on ne fait pas toutes les étapes de la bonne. On ne part pas du bon côté, on ne part pas à la bonne place. Mais on arrive à la même place à la fin. C'est la beauté de la vie. On arrive à la même place, finalement, à la fin. C'est merveilleux. Alléluia. Bon, OK. Avant que ça sèche puis que je travaille trop mes couleurs ici, puis que ma peau sèche, on va juste peut-être venir remplir un peu cette couleur. Parce que sur ma palette, ma couleur est assez mince. C'est moi là, qui fais des mélanges au pinceau, donc c'est pas nécessairement une bonne habitude. Les faire à la spatule, on conserve nos couleurs si jamais plus tard on en a besoin. Là, voyez-vous, je vais pouvoir plus colorer. On aperçut peut-être que tantôt ce que je vais faire en glacis sur la toile. Je prends du brun ici. Le coup de pinceau assez vif. Bon, ok, j'en ai fini un petit peu de placer dans le riz. Ouais, désolé si je siffle le faux. Eh oui, je siffle le faux. Ça arrive, ça. Bon, ok, c'est sûr qu'il n'y a rien de parfait dans tout ça, là, mais on vient juste placer pour se donner une petite idée. Le sens, on appelle ça traîner. Donc, moi, je suis le sens de ce que je fais. J'appuie moins, j'appuie plus. Donc, un petit peu de. Un petit peu de vert, un peu de vert. Il y a encore des picots blancs, là, il faut plus qu'il y en aille. Bon, je vais tout de suite remplir le fond parce qu'il ne faut pas que ça reste blanc comme ça. On doit aller chercher un ton beaucoup plus foncé. Ça, c'est une erreur fréquente, garder ça trop foncé là, dans les débutants. On ne va pas chercher le gris de l'œil suffisant. Même si c'est le cas, c'est presque un brun dans l'œil. Il ne faut pas oublier que la peinture acrylique va sécher et va foncer de 10% dans une échelle de ton de 1 à 10. La peinture acrylique, la plupart du temps, sèche de 10% plus foncé. Devient 10% plus foncé en séchant. Oui, si je m'exprime mieux. Oui. Excusez-moi. Et voilà. La.
vais mettre un petit peu de maquillage. Pourquoi pas? Ok, là, présentement, il faut que je rentre un petit peu à l'intérieur. Je vais me chercher le rebord de l'œil qu'on oublie souvent de venir faire. Le petit rebord. Pas le petit Robert, le petit Robert. Le petit Robert. C'est une joke de Robert. Les Robert ont fait des jeux de mots, à ce qu'il paraît. La noble famille des Robert. Et oui, c'est ce que mon père il disait. Il était très drôle. Quand même. Bon, bien sûr, ici, là, j'ai ma transition beaucoup trop sec. Je vais essuyer mon pinceau ici. Je vais le travailler à plat, puis je vais juste venir rajouter des petits pixels plus pâles autour. Déjà, ça va améliorer ma transition. Je cherche encore mon dessin de l'œil qui n'est pas parfait. Il est trop gros un peu. Donc, je le travaille. Je vais même le rapetisser un petit peu à l'intérieur. Et puis, je perds un poil ici. Ici, je vais essayer de venir un petit peu corriger à l'intérieur. OK. D'aller plus foncé aussi. Ici, là, autour à l'extérieur. Je vais pouvoir revenir avec des masques par-dessus ensuite. Des masques ou des couleurs qui bloquent. C'est des couleurs un peu en transparence ou ainsi de suite. Qui vont venir placer un peu le tout. Je vais juste en mettre un peu parce que ça aide à voir ce qu'on fait. Mettre un peu de sourcil. On va enlever le blanc si possible autour. Ok, là, le blanc n'est plus là. On met ce petit coin ici. Enlève, puis là on en rajoute. On en rajoute. On en rajoute dans le sens que le foncé prend beaucoup de place. J'aiguise mon pinceau, je prends de l'eau et le mélange. Puis là j'essaie de venir chercher. Je recule. Je compare mon image avec mon dessin. Puis je viens me chercher ici plus de paupières à l'extérieur. Comme ça. C'est ça, ça sent bien mieux. Voilà. Bien sûr, après, là, ici, je vais avoir des beaux petits cils que je vais pouvoir déplacer. Voilà. Bon, pour la fun, je pourrais en placer 2-3 là, mais c'est pas final non plus. Je sais pas si vous voyez ici les petits cils juste ici là, très 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 minces ici. Bon, là. Alors, de l'autre côté. Regarde, bon, ben, j'ai mes petits cils que je viens de placer aussi encore un petit peu, même si c'est pas. Attends, alors je vais finir de remplir comme il faut le contour. Je crois qu'il en manque un peu. Ça gagnerait ce que j'en mette un peu de couleur. Mm-hmm.
perso commence à être sec un peu, je vais pouvoir aller ici peut-être un peu à l'intérieur. Je vais revenir plus foncé par contre. Mon père, il va plus loin ici. Donc là, j'ai su mon pinceau et je reviens entre ici. Puis j'applique du frottis, mais entre au mitoyen. Je les passe un peu de chaque côté. Je vais me chercher globalement au loin une espèce de forme de base. Là, ici, je continue, je suis passé par ici, puis ici non plus. Donc là, là je ne veux plus voir mon crayon à ce stade-ci, fait que je m'assure vraiment de le couvrir. Avec tous les tons qu'il faut, là, avec les bonnes couleurs. Donc là, j'ai encore ici de la peau. J'ai encore de la peau à couvrir. Il faut que je rajoute de la peau ici parce qu'on voit encore le crayon. OK. Plus foncé. Là, je vais commencer à travailler plus coloré parce que je sais que j'en ai besoin d'aller plus coloré, puis je sais que j'ai une couleur de base de fond. Donc, je vais pouvoir les donner mes coups, mais les donner plus secs pour qu'on voit encore la couleur en dessous, pour que l'influence de la couleur chaude que je vais mettre tout coloré soit moins forte. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais moi, je me comprends. Dans le sens que là, je peux travailler plus gratté, mais avec les autres couleurs plus punch, mais on va moins les voir sans laisser du blanc en arrière parce que j'ai déjà ma couleur de base. Bref, peut-être que vous ne m'entendez pas non plus. Alors, vois-tu, ça ici, ça ne fonctionnera pas en séchant, ça va donner plus trop foncé. Au début, quand je l'ai mis avant que ça sèche, c'était bien. Mais dès que, voyez-vous, ça sèche, ça fait un spot. C'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est une des choses plus difficiles parfois, là, quand on fait des portraits, là, de ne pas tacher, là. C'est-à-dire de contrôler les tons qu'on met. Séchant, ça va être plus foncé encore. On va le mettre quand même, mais on va revenir. Ouh.
remplir les lèvres un peu pour que ça soit rempli partout. Donc, les lèvres, je mets un petit peu de brun dans du rose. Je vais essayer ma couleur ici. Je pense qu'il est bien, mais peut-être pas assez orangé. Un petit peu plus d'orangé avec du blanc. Passer au jaune, plus de rouge dedans. Encore là, je vais aller même à l'extérieur. Je vais couvrir mon crayon. Parce que je sais que c'est plus foncé à l'extérieur, mais quand même, je vais couvrir mon crayon. On fera des effets par la suite. Je vais quand même aller tout de suite me mettre plus foncé l'entre-lèvre avec du violet, du rouge et du noir. Pourquoi du violet? Parce que ça fond si bien. Je pourrais aussi aller juste plus rouge, mais on verra par la suite là. Je prends du jaune pour réchauffer un peu tout ça. Ben, je vais aller mal mélanger. Je vais aller dans mon haut ici. Le jaune vient réchauffer. Permet de différencier un petit peu les deux. Merci Audrey. Même au début quand même de l'effet des yeux, mais c'est vrai qu'au loin on a un effet qui s'en vient. Je pense que ça va être bien. C'est tout le temps le fun de faire un portrait quand on a travaillé son observation, quand on sait ce qu'on fait puis où qu'on le met, ça devient facile de faire un portrait. Mais bien sûr, idéalement, c'est d'avoir justement travaillé l'observation. Il n'y a rien de mieux en peinture pour devenir meilleur. Retournez parfois en dessin si vous êtes en peinture. Ça va vous aider beaucoup. Oui. Vraiment. Alors, on va prendre un petit pinceau plus mince un peu. Un petit peu plus pâle. Tout le monde pense que c'est blanc, mais ce n'est pas blanc. Plein de lumière, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Perd ses poils et ça cause des problèmes. On va les arracher. Est-ce que je disais que je devais travailler ma couleur?
peu de jaune, un petit peu de blanc. Là, je vais chercher plus de jaune ici, comme ça. Jouer un peu autour de mes couleurs. Je vais chercher une belle chaleur. Je ne sais pas à quel point vous voyez cette subtilité-là à la caméra. Je ne sais pas la qualité comme telle, mais c'est bien plaisant. Bon, ok. Donc là, je suis là. Peu d'eau. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir le portrait. Je pense que oui. Mais je pourrais aussi juste le... S'il n'y a plus de batterie, je vais le repluguer. Il n'est pas plugué. Il va falloir que je retourne. Ok, et là... Je ne peux pas tout de suite faire ça. J'ai besoin de faire mon rebord de l'œil ici. Mon rebord. Et oui, là où les larmes coulent, ils partent d'ici, ils s'en vont là-bas, sur ce rebord qui a tant bu. Et oui. Un rebord qui a bu. Ok, j'abuse un peu de l'humour mauvais. C'est correct. C'est créatif, l'humour mauvais. Et oui. Le niveau, là, c'est plus loin que le bon humour, c'est l'humour mauvais. Ça, c'est quand tu sais que ton humour est mauvais. Ça, c'est comme un niveau supérieur que l'humour mauvais. C'est fort, ça. C'est fort, fort, fort. Donc là, je fais une arabesque, j'appuie pas fort. Et je remonte sur ces beaux petits cils ici, comme ça. Ici, et voilà. Je sais pas ça fait combien de temps, mais ça sent bien quand même là. Bon, c'est un départ là, mais il faut que je fasse fermer. Mais c'est ça. Fait que là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais remplir un peu mon fond. Avec un gros pinceau, petit moyen, moyen. Noir. Mm-hmm.
Hey, Valérie! Salut! Sorti du rouge, donc pourquoi pas juste à peine, juste un petit peu du rouge, un petit rappel de rien. Là. Voilà, on voit à peine le rouge, et voilà. Ça va de rien. Un petit peu ici. Un petit peu là. Bon, c'est bien que je vois où est-ce que je dois corriger. Un petit peu là. Je vais rentrer un petit peu à l'intérieur ici. Ça m'a beaucoup. Je pourrais chercher les cheveux un peu. Ici, je suis un petit peu trop bas, à peine. Ma coupe à l'extérieur, comme ça. Là, j'ai pas assez d'eau dans mon pinceau. Je vois pas les autres. J'ai vu Valérie, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont écrit. Là. C'est juste que je me suis tourné quand Valérie a écrit. Fait que les autres, si vous m'avez écrit aussi, je vais regarder ça tantôt. Ici, il faut juste que je rentre dedans. D'aller me chercher ici ma couleur de fond. Là, je vais travailler en glacis, c'est-à-dire que je vais prendre beaucoup d'eau. Je vais travailler en transparence, même que je vais prendre mon push-push d'eau. Je vais donner un petit peu ça. Je vais juste aller me chercher un fond, peut-être, puis qu'on voit encore ce que j'ai fait. Juste couvrir le blanc. Voilà. Ok. C'est bon. Mais ici, c'est pas assez naturel. On va venir toucher dans la courbe naturelle. Rentrer à l'intérieur. C'est bon pour l'instant. Super. Mmh.
là, c'est un petit fond à l'acrylique. Pour l'instant. Ça fait quoi, 45 minutes, 30 minutes que je peins, pas plus que ça quand même. Faut que je me couche un jour moi aussi là, tu sais. J'ai mon ombrage ici que je n'ai pas fait encore. On va aller avec ma brosse du départ. La brosse de départ. Un pinceau en soie de porc. On va aller faire ici. Son beau petit coup dans le coin ici. Là. Ici même. Là, je cache un peu le porc encore qui reste. Salut Guillaume. Prendre un pinceau plat comme ça.
Mm-hmm.